Bonjour à tous, nous sommes sur le sentier des Trois Quilles. Donc là, un vautour en plein vol. Donc il passe très près. Voilà, donc nous sommes en randonnée. Nous avons face à nous les gorges de la Pierre Lisse. Là-bas, c'est Quillon. Là-bas, nous avons Quillon. Donc là, il y a trois quilles en tout. Et là, nous sommes à la deuxième quille. On a un panorama assez exceptionnel. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, il y a de l'hélichryse même là qui est totalement terminée. Là, bon, bah, tant pis, elle est plus en fleurs. Hein, on a ici, là. Là. On est en automne, donc c'est automne, un peu terminé. Bon, c'est la fin. Ouais, c'est vraiment très très joli. Hein. On a vraiment une vue d'ensemble très dégagée. Il y a un genévrier là qui est juste là, là si on peut le voir. Ah. Et puis le chêne persistant qu'on voit derrière, le chêne vert, toujours vert. Et je ne sais pas si on va trouver des arbouses ici. Ah si, mais elles sont pas encore bien. Elles vont pas tarder à arriver. Bon bah là elles sont jaunes mais ça devient rouge. Des arbouses. On en a cueilli tout à l'heure qui était bien rouge. On en a mangé. On en a même pas mangé. Beaucoup, bon là, mais... ça là, pas bonne. C'est pas mûr voilà, encore. Ça c'est un arbousier. Très bon. Très bon à manger. Très fruité. Vous voyez, dans les balades, on vous propose vraiment de découvrir des lieux assez pittoresques, assez magnifiques. Alors celui-là de sentier, il part donc assez doux. On va dire un pentu assez tranquille et puis les trois quilles ça grimpe quand même pas mal donc il faut avoir quand même des bonnes chaussures bien équipées voilà qui enveloppent les chevilles parce que c'est assez caillouteux donc voilà ceux qui sont expérimentés bon on leur proposera voilà des trucs un petit peu plus voilà péchus comme là on va dire c'est moyen. Ça démarre de tranquille à moyen parce que c'est quand même comme ça. Après ça redescend, ça fait trois quilles hein, comme ça. Donc là on va redescendre par ici, puis on va remonter bah, tout là-haut là. Ça c'est la troisième quille. Donc ça donne un petit aperçu, de quand même un petit peu de la difficulté du terrain. Et puis ça permet en même temps de voir des vertus botaniques, des plantes qu'on peut éventuellement vous montrer. Si elles sont toxiques ou pas. Comestibles ou non. Comestibles ou pas. Et en même temps, de se faire des petites balades vraiment où on pourra, je pense, à la troisième quille, s'asseoir et pique-niquer, sorti du sac. Donc ça fait une petite balade quand même de, on va dire, une heure et demie aller et une heure et demie retour, sans compter l'arrêt sur chaque quille. Et là-bas, on va dire 4 heures et demie quand même de marche. Ça fait quand même une bonne petite balade, une bonne petite journée. Je pense que sorti de cette balade, vous serez quand même assez fatigué. C'est sûr. Bon bah voilà pour cette nouvelle petite vidéo. On vous souhaite une belle journée à tous. Et à bientôt. À bientôt.